Dans le fond, aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. On reçoit Guillaume, qui est un bon bonhomme de 33 ans, atteint de déficience intellectuelle puis d'aphasie. On les reçoit chez Willy Force pour passer une journée 100% moto avec nous autres. Bref, nous autres, on a rencontré Guillaume en 2016. C'était au Regatta de Valleyfield. On était exposant avec le simulateur de Willy, puis c'était une bonne journée, on était bien occupés. Puis à un moment donné, Guillaume et son père se sont approchés de nous autres. Puis Guillaume nous a demandé si on avait de la monnaie, si on avait du change. Bref, on était dans le jus, puis on s'est dit on commencera pas à donner du change à tout le monde. Fait que j'ai dit à Guillaume que j'avais pas de change, mais j'en avais du change. Fait que finalement, ils sont partis. Puis on les a vus arriver une heure plus tard. Ils sont revenus une heure plus tard. Puis à ce moment-là, Guillaume m'a donné un 5$. Là, je me disais, pourquoi tu me donnes 5$? Tu sais, je comprends pas. C'est là que Guillaume m'a dit, ben, avec son aphasie, j'ai fini par comprendre. Il m'a pointé mon affiche. On avait une affiche avec nos coûts, notre coûtant, tout ça, les forfaits qu'on offrait. C'était marqué photo, 5$. Puis Guillaume, il voulait du change pour avoir un 5$ pour prendre sa photo. Donc, c'est à ce moment-là que, regarde, les deux bras m'ont tombé. Finalement, c'est ça, on lui a donné la totale. On a fait la photo avec lui, mais écoute, le mal t'est fait. Ça m'a resté pendant, ça fait un an et demi, presque deux ans. Je pense encore régulièrement. Puis, regarde, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on pouvait se donner une deuxième chance en les faisant venir chez nous. Fait que c'est la deuxième chance aujourd'hui. Donc, on s'en retourne au quartier général, puis on commence ça. Être le père de Guillaume Fortin, c'est un événement spécial qui est arrivé dans ma vie. Ça l'a apporté des bons côtés, ça l'a apporté des côtés un peu plus difficiles. Pour moi, ma famille, sa mère, sa sœur, ça n'a pas toujours été facile. Aussi, en même temps, ça nous a apporté, moi je dis que c'est un être spécial. Donc, quand il était plus jeune, c'était un homme, un petit bébé qui était lumineux. Il était vraiment lumineux. Puis, il ne parlait pas beaucoup parce que son gros handicap, c'est l'aphasie. L'aphasie, c'est le manque du mot que tu n'as pas. Quand il était jeune, j'ai vraiment essayé de faire tout ce que je pouvais faire pour pas qu'il paraisse comme un handicapé. Donc, on a fait toutes sortes d'activités. On est allé au scout, on est allé... on a fait du vélo, on a fait du voilier, on a fait plein de choses. On s'est amusé pas mal, toute la famille ensemble. On a commencé à faire du ski très jeune. Il avait peut-être 4 ou 5 ans. Et de là, il est devenu une passion. Puis moi, j'ai rencontré les Jeux olympiques spéciaux. Je suis devenu entraîneur pour les Jeux olympiques spéciaux. Et Guillaume est devenu un athlète en ski alpin. Et il a gagné plusieurs médailles à travers ces années-là. On est même allé aux Jeux olympiques spéciaux provinciaux qui avaient lieu au Nouveau-Brunswick. Et puis aujourd'hui, rendu à 33 ans, il veut se reprendre en main. Il a eu des difficultés dernièrement. Il veut se reprendre en main, puis il veut vraiment
venir sur la bonne route. Puis il est vraiment déterminé. Je pense que ça va être pour lui une bonne chose. Puis aujourd'hui, bien, je te remercie de nous avoir contactés, parce que je sais qu'on s'est rencontrés avec les filles il y a 2 ans. Puis ça a été un événement qui, dans ce temps-là, ça a été court. On n'a pas eu le temps vraiment de se rencontrer, mais tu nous as cherchés, tu nous as trouvés. Je te remercie infiniment pour l'événement que tu fais pour lui. J'apprécie énormément. Ouais, c'est un plaisir. C'est cool. C'est cool. Cool? Ouais, c'est cool. Yes. Cool. Merci, oui. Robert. Oui. Hey, merci. Donc, Guillaume, qu'est-ce que tu pensais t'en venir faire à Oka aujourd'hui? Faire du ski. Ah ouais? Mais mon père, c'est 12 pieds 7, là. Bien 7, là. Fait une moto, puis c'est fun. Puis fait des roulés. C'est fun aussi. T'aimais ça? Oui. Ouais. T'as-tu eu peur quand t'as fait des wheelies avec moi? Non, non, non. Non? Ça a bien été? Oui. T'aimais ça? Oui. Excellent. Mais regarde, t'es réinvité. Tu vas pouvoir revenir nous voir quand tu veux. Puis ça va nous faire un gros plaisir de te revoir avec nous autres, toute l'équipe. Oui. Un gros merci. Ça a bien été, on s'est fait du fun sur la moto. Oui. Excellent. Mais là, c'est pas tout. J'ai approché l'épicerie Metro Plus de Valleyfield. Il était touché aussi de notre activité aujourd'hui. Il encourageait ça. Donc, il tenait à vous remettre une carte cadeau de 100$ chez Metro Plus à Valleyfield. Oui, donc, gracieux aussi de M. Guy Levac, son équipe de Metro Valleyfield, de Metro Plus. Merci. Un plaisir. Je tenais personnellement à t'offrir une casquette. Un hoodie Willy Force, un chandail. Comme je te dis, ben, t'es réinvité, on va se revoir, puis on n'arrête pas ça là. Okay. Un gros merci d'être venu, très cool. Apprécié. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc aujourd'hui, on a passé une super belle journée, mais on veut pas que ça s'arrête là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. On veut lancer un mouvement, on veut faire quelque chose pour les personnes qui en ont besoin. Je m'adresse aux entreprises, précisément. Ceux-là qui sont capables d'offrir quelque chose à des personnes comme ça. Donc présentement, le challenge Willy Force, je mets au défi Jet Set Location et Action 500 de relever le défi, de faire quelque chose pour ces personnes-là, puis de faire vivre un moment inoubliable, de rendre l'impossible accessible. Donc, je vous mets au défi, vous le relevez ou vous le relevez pas, ça vous appartient, le défi.